Bien plaît pas, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Monsieur Yas, comment vas-tu? Comment ça va, Zach? Bah, je suis très content, honoré d'être chez toi. Ça fait plaisir, hein? Bah, franchement, ça fait plaisir. C'est la première fois que tu m'invites et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau, ça sent très bon. Et franchement, je suis content d'être une nouvelle fois invité sur ta chaîne. La dernière fois, on s'est amusé sur ma fabuleuse île, puis là, bah, on va s'amuser chez toi. Le plaisir, c'est aussi ça l'avantage d'être à Paname, c'est de pouvoir un petit peu inviter les frérots facilement et ça, c'est grave cool. Vous avez remarqué que je n'ai toujours pas installé le décor, il est toujours posé. T'as toujours pas installé le décor et c'est déjà mieux que le mien. C'est déjà mieux que le mien. Bon, on dit, parce que moi j'ai une fenêtre avec des barreaux, on dirait que je suis en prison, mon pote, j'ai rien du tout. T'as déménagé il y a pas longtemps en plus. Ouais, j'ai déménagé il y a un mois déjà. Mon ancien appart c'était un peu minable, mais là c'est encore pire. Et bah écoute, il est de retour de Thaïlande, mais avec quelques jours de dodo là. Le bronzage là, qu'est-ce que vous en pensez? T'es moi comment je suis blanc? Ah ouais, moi là ça va, je suis un franchement, t'as vu petit bronzage au miel hein? T'es bien? Bah ouais mon pote. Écoutez les amis, j'irai sans doute un jour en Thaïlande, mais en attendant, on est avec Yas et on va participer aujourd'hui au jeu du commentaire. Alors qu'est-ce que le jeu du commentaire? Je vous explique les règles. Il y a Alex qui m'a fait un super canevas où on va devoir deviner la provenance d'un commentaire. Donc on va avoir des commentaires laissés par des gens et avec des possibilités, on doit deviner si ça vient d'un restaurant, d'une vidéo YouTube, d'un film de cul, bref. 150 possibilités. Je pense que c'est facile à dire. Ouais, putain, j'ai pas trop aimé la performance. Donc on va devoir essayer de deviner. Tu es prêt? Ouais. C'est parti. Donc ça, c'est une suite de commentaires qui peuvent être laissés. Okay. Ça, c'est les commentaires sur le site, on est d'accord, à gauche. Oui, et là, la droite, du coup, c'est les sites qu'on doit choisir. Exactement. D'accord. Donc tu dois deviner si ça vient d'un site... voilà. Ouais, ouais, bon. Ou alors si ça vient d'un... Ouais, on a deviné, d'ailleurs, c'est quel site au vu du... des couleurs choisies. De la DA. Voilà. Quelqu'un veut jouer à Code PS4? Allez, tiens-moi au jus. Alors moi, j'ai peut-être ma théorie. Je pense peut-être que ça vient d'un film de d'un site de cul. Pourquoi? Parce que les gens, dans les sites de cul, dans les commentaires, c'est que des malades qui ne mettent des trucs à aucun rapport avec la performance. Parce que moi, bon, disons que je suis curieux. T'es déjà allé jeter un coup d'œil? Bah ouais, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent ces mecs? Et il y a des fois où tu trouves des trucs comme ça. Donc moi, ça me choquerait pas que ça soit un site de cul. Moi, je pense que pour la première, ils ont voulu nous mettre un petit peu dans l'esprit. Je choisis aussi à droite. Tu vois? Tu vois, je te l'avais dit, c'est que des tarés, il y a que des tarés comme ça. C'est des mecs qui sont comme nous hein. Ils sont comme nous, c'est que des trolls et juste ils écrivent des trucs aucun rapport et ils mettent ça sur les sites de cul. Tu penses que les mecs au moment de choisir leur pseudo, ils pensent à quoi? Déjà, j'aimerais savoir genre qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour faire la démarche de s'inscrire, de se créer un compte, tu vois, c'est trop bizarre. Bah, c'est comme avoir un compte YouTube quoi, tu vois, t'as ton historique, tes favoris, tes likes, t'as ton algorithme parfait. Non mais à la limite, tu vois, YouTube, bon, tu regardes la vidéo de Zach Nani, de Squeezie, de Yas encore, allez voir ma chaîne. Bah oui. Mais là, tu vois, un site de cul, c'est vraiment, t'es passionné par le truc. C'est vraiment, t'as une meuf préférée, je vais pas dire de blaze, et tu la suis et tu lâches des commentaires. C'est trop bizarre, même tu lâches des pouces bleus. On est d'accord. Tu peux faire ça mieux. On est d'accord, il y a des gens. D'ailleurs, attends, parce que t'as envie de t'exprimer, vas-y. Non, parce qu'il y a un mec sur. Voilà. Il a mis une vidéo, enfin, il a mis un sous-titre de vidéo, tu sais, tu peux changer un peu. Oui, oui, par région. Et il a mis Yas encore depuis qu'il est plus SDF. Nanana, il se fait plaisir. 11 millions de vues. 11 millions de vues. Il a changé le titre de la vidéo. Ouais, 11 millions de vues, mon gars. Et il y en a une deuxième où Yas encore est revenu de la Calvis, revenu de la Turquie et tout avec, tu sais, ce bon vieux Johnny, on va pas dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. 2 millions de vues aussi. Je fais plus de vues sur ça que sur YouTube. Putain, ça c'est moche. Merci énormément pour tout le bonheur que vous nous apportez, vous êtes incroyable. Mais quand il y a le logo Internet Explorer, c'est genre... En gros, c'est un commentaire de quelque part sur Internet. Non, moi, je pense pas que ça soit un site de boule. Là, tu vois, le commentaire, il est trop... Pas, il est trop bienveillant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Genre, il est... Mais justement... Ah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que justement, quand t'es sur un site, de boule, tu te lâches un petit peu. C'est là où tu peux dire justement tout ce que tu penses. C'est pas censuré et ouais, tout. Mais par exemple, est-ce que t'as déjà vu les commentaires Insta de comptes qui publient, voilà? Dedans, tu peux avoir des darons. Ouais. Des darons qui publient des trucs, waouh, magnifique, superbe, bise, Jacques. Ouais, ouais. mais ça, c'est sur Insta. Ça, c'est sur Insta, par exemple. Et donc, du coup, ça pourrait être. Ouais, pour moi, je pense que c'est, du coup, le logo Internet Explorer, c'est sur Internet, autre que sur un site de cul. Et moi je reprends. Tu reprends le site de cul? Ouais, je parie. Je... Si c'est le site de cul, je vais soupçonner qu'il y a de la triche et que tu connais les réponses. Alors, je ne connais rien du tout. Tu vois?
Cette bonne vieille Julie, merci énormément pour tout le bonheur que vous avez porté, vous êtes incroyable. Typiquement, ça, c'est pas le commentaire qu'on pourrait trouver sous mes vidéos, par exemple. Je me suis imaginé le vieux pervers. Ah ouais? Ah non, bah, pas du tout, tu vois. Pour moi, c'est typiquement un commentaire que j'aurais imaginé Julie. Peut-être sur un salon de massage ou un truc comme ça. Là, Julie, vraiment désolé. Moi, tu vois, j'ai 2 points, je suis très content. 2, hein. Bah, ouais. C'est la deuxième fois que je joue un jeu comme ça avec Canva et tout. La première fois, Joël m'a ratatiné. Ah ouais? C'était terrible. Mais lui, Joël, il a l'expérience, tu vois, il a 50 milliards d'années, frère. Il connaît tout sur tout sur la vie, donc moi, ça m'étonne pas. Il a 50 milliards. Bah ouais. Oh, déjà, il y a une faute d'orthographe. Rien ne s'est passé comme indiqué. Ah ouais, c'est vraiment les... Ok. C'est le commentaire comme il est écrit. Rien ne s'est passé comme indiqué. Pour moi, ça, c'est un commentaire type Airbnb ou resto. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rien ne s'est passé comme indiqué. En mode, là, t'arrives sur le site de cul, ouais, il devait avoir une levrette et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Genre, il y a eu mensonge sur... Non, moi, je pense pas, tu vois. Moi, je pense pas. C'est... Je pense à être resto ou Airbnb, un truc comme ça. Tu vois, un truc où t'es quand même... T'en as pour ton argent et là, t'es pas content. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ah, mais frère, tu sais que je dois avoir la tête complètement ruinée, moi. Toi, t'as pensé quoi? Me dis pas que tu penses encore le site de cul. Bah ouais, frère. Genre, en mode, en plus, avec la faute d'orthographe qui va avec. Justement, parce que souvent, les gens qui laissent des avis, c'est des gens, ils sont aigris, tu vois. Tu vois, le rien ne s'est passé comme indiqué, je pense, comme indiqué dans le titre. Ouais, mais ça peut être aussi, putain, je sais pas, bah tu vois, par exemple, Airbnb, ouais, chambre de fou. Ouais, ça, c'est comme par exemple, moi en Thaïlande, on avait pris un Airbnb, on arrive dans le Airbnb, aucun rapport avec les photos. Ah ouais? Mais aucun rapport. Genre, les photos, elles étaient toutes. Mais franchement, c'était minable. Un Airbnb, minable. Et franchement, j'ai regardé, j'étais avec ma copine et avec deux autres amis. Je les regarde, je fais, mais on se casse là. Genre vraiment, on s'est cassé. On a repris nos affaires, on a pris un hôtel, on s'est barré. Ouais. Et on a quand même pris les clés du Airbnb, on les a gardées pendant le temps, tu vois, de la location pour pas que le mec il loue, tu vois, pendant qu'on. Ah, mais tu sais que ça, t'aurais pu contacter Airbnb pour faire rembourser. Après, c'est ce qu'on a fait. Ah. Et on s'est quand même fait rembourser. Du coup, vas-y, moi je dis site pour adultes. Non, moi, pour moi, internet. Internet, sûr. Tu vois, marmiton, tu vois. Petite recette de crêpes, nanana. Et là, tu vois, tout se passe pas, ça se passe pas bien. Mais là, tu vois, maintenant, je suis dans la loi des séries. C'est-à-dire que c'est le prochain, c'est encore un truc d'internet, vu que ça fait que 2 points d'affilée. Je suis perdu, je perds 3 hein, déjà. D'accord, les OP, tu vois, pour moi, ça c'est un site de cul. On va vite. Sûr. Bah, sûr, c'est sûr, mon gars. C'est sûr, c'était sûr à 100%. Tu vois, les trucs trolls comme ça, c'est sûr. Tu vois, c'est des mecs qui sont comme nous, c'est des mecs comme nous, c'est des branleurs. Non, mais c'est vrai. C'est des jeunes cons. Bah oui, c'est des jeunes abrutis, tu vois, ils s'envoient, ils disent, ouais, je vais créer un compte, c'est marrant et tout. Et paf, ils grattent leur like, ils ont bien raison. Pour l'instant, t'es en train de faire un parfait. Ah, bah ouais, mon pote. J'ai froid aux pieds. Je sais que tu rêves de venir me les réchauffer, mais envoie au moins des thunes que je puisse acheter des grosses chaussettes loser. Alors ça, pour moi, c'est un délire, tu sais, pas les money slaves, comment ça s'appelle, tu sais, les soumis, là. Ouais. Qui kiffent se faire insulter. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça sur site X? Parce que ça peut se passer sur Twitter, attention, hein. Moi genre, je pense que ça peut venir d'Internet, ça. Hein. Ça peut venir d'Internet, parce qu'il y a beaucoup de malades. Moi, je pense que c'est un délire de soumis en mode, ouais, Reine Fatima et tout. Ou même un copier-coller. Hein. C'est possible aussi, ouais. Ouais, un copy-pasta peut-être sur Twitch ou je sais pas. Est-ce que le chat Twitch, est-ce que ça compte? Est-ce qu'il y a ça? Je sais pas. Ok. J'avoue, ils m'ont dit que ça peut venir de partout, mais je sais pas s'ils peuvent. Là, pour moi, on est à la frontière entre Internet et le truc un peu sexuel, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas du tout. Moi, je pencherais quand même vers Internet. Internet, moi aussi. Ouais, je pencherais quand même vers Internet. Mais je suis curieux de voir la réponse là. Tu veux, j'en étais sûr? Putain, mais je suis trop fort! Mais qui me peut? Tu as Money Slave! Bon, après, bizarre, ça veut dire que je suis quand même bien renseigné. C'est vrai que. Ça veut dire que je suis quand même bien renseigné. Non, mais parce que j'ai tellement squatter ce site Twitter. T'as l'esprit créatif quoi. Ah non, mais parce que ça m'étonne pas que ça vienne de Twitter. Ceci change mon opinion sur moi. Oui, pour moi c'est un site de cul, je vais te dire pourquoi. Ça doit être tourné avec téléphone et genre à un moment il doit avoir un miroir. Un miroir d'amateur de merde. Et il doit avoir le logo. Et là tu vois genre la qualité elle doit être bonne, tu vois. Oh, c'est calamiteux. Et du coup le mec il a écrit ça, je pense. Ceci est mon avis. Ce que tu dis, c'est bon, mais je connais un peu les mecs qui ont fait ça. Tu vois, les mecs de mon équipe, ils vont se dire qu'on va penser à un truc comme ça, donc à moins qu'à l'inverse, ils aient mis un commentaire banal pour nous piéger. Ah non, moi je pense quand même site de cul. Ah ouais? Là, moi j'espère que je vais encore. Il y a 5-3, faut que je revienne de toute façon sur toi, donc à un moment, faut que je croise les réponses, parce que ça va pas le faire. Toi, c'est site pour adultes, moi, c'est internet.
frère. Regarde le pseudo du gars. Latino Lover. Mais qui me peut? Si jamais je dois faire un disclaimer à ce moment-là de la vidéo, c'est pas moi qui ai dit à mon équipe, venez, on fait ça. Parce qu'ils vont se dire, ouais. Ah ouais, ça qu'il a dit, il a envoyé son équipe dans des commentaires de sites adultes pour faire une vidéo. C'est eux, ils m'ont proposé. Non, et franchement, t'as vu, je m'en sors pas mal. Hein. Je suis pas très bien. T'es en train de faire un perfect. Eh ben ouais, c'est pas grave, t'es fort. Trop bien, vivement la suite. Et allez, lance. Allez, lance. Ah putain, le allez, lance, il est... Putain, parce qu'en plus, les... Tu vois, les lançois, le noir et tout, ça sent le porno français un peu minable, tu vois ce que je veux dire. Laisse le nom du non, mais... Ah non, mais je kiffe. Franchement, il lance. A fait un vlog à lance. Les lançois, je vous kiffe. Parce que là, tu vas créer une polémique comme la banderole à Paris, non, là, non, il y a 15 ans. Les sons et or, tout ça, les corons, je vous kiffe. Mais... On va pas se mentir, il y a un peu d'ambiance porno français minable. Je me dis peut-être que ça serait pris sur une vidéo YouTube de Saïd Pied-Carré. Ouais. Qui avait fait... Ah oui, l'interview de Francaise. Ouais. Avec le coach de Lens. Je crois il a fait une série. Oui. Sur Lens. Et je me dis peut-être que c'est de là. Oh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu penses? Non, moi je vais dire site pour adultes. Ah putain, j'espère pas me... Ah, Internet. Ouais, Internet, moi sûr. Oh non! Non, putain! On revient! Max! On Max 59-59! On va te retrouver, Max! Putain, non! Mais je trouve que mon raisonnement n'était pas bête. Première erreur pour Yas. Ouais. Ah, je suis dégoûté parce que je me suis dit, vas-y, c'est trop... Ouais. Enfin, c'est trop clair. Non, mais je vois le délire. Et je me suis dit, il y a peut-être un piège, peut-être une vidéo YouTube. Je crois que du coup, ça fait 6-3. Ma sœur est morte, je me suis connecté sur son Facebook. Non, ça c'est un truc pour m'envoyer ses récompenses. Pour moi, ça c'est un... C'est Internet. Un truc de... un truc de cul. Ah ouais? Pour moi, c'est un truc de cul. Peut-être, comment dire, un contre-avis, je sais pas, bref, je sais plus comment on dit, sur une vidéo YouTube, mais pour moi, c'est site de cul. Internet pour moi. Oh putain! TikTok. Oh, j'avais oublié ce site. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des malades aussi sur TikTok. Eh oui, gros. Ah, en plus, ça, tu sais, ça sent... Je remonte. Tu sais, ça sent le commentaire écrit sur les chiottes et tout quand tu scrolles ta tête. Putain, merde. Moi, je l'ai trop en tête, ce tweet. Par contre, pause. On n'a pas discuté du fond du commentaire, hein. Mais... Ah, mais vraiment, ça, c'est une dinguerie. Quelle salope, hein. Vraiment. Cherche meuf chaude. Lui, c'est limite un peu trop évident, tu vois. Ouais, c'est un là, piège. Je te remontre un 6-4, attention. Cherche meuf chaude. C'est peut-être sur un site pas de rencontre, peut-être Tinder, un truc comme ça, non? Ça peut être sur un blog, tu vois. Site de cul, c'est trop évident. C'est ce que je pour me dis. Pour moi, c'est trop et évident. C'est peut-être parce que c'est trop évident que justement c'est ça. Non, moi, je mettrais Internet. Par contre, j'avais pas remarqué depuis le début de la vidéo, genre, il y a du PQ ici. Oui, tout à fait. C'est quoi l'explication? L'explication, je te la fais en un bruit. Ok. C'est bon? Ok. Ok, tu m'as eu, bien joué. Littéralement. Ok, tu m'as eu, franchement, y'a rien à dire. Internet? Internet. Internet, moi. Let's go. Allez! Clash of Clans, c'est quoi? Après, je pensais vraiment pas que c'était Clash of Clans. Tu sais que sur Waze, des trucs comme ça, des trucs que tu soupçonnes pas du tout. Mais sur Waze, j'ai vu, y a des mecs qui s'insultaient. Même des fois, y en a sur Waze, ils disent, ouais, la calvitie d'Yas encore qui bloque l'autoroute, des trucs comme ça, c'est des... Y a des chiens, même j'ai vu des trucs sur Zach Nani. Ah, c'est des sales chlags, mon gars. Je vais me mettre au vélo. Pour moi, c'est site de cul. Je suis d'accord. Ça sent le site de cul, genre ils sont en tenue de cycliste, ouais, un truc ouais, comme ouais, ça. C'est sûr. Allez toi, hop, gonna give you. Oh là là. Gonna give you cum, c'est en gros, ça veut non, dire. Non, non, ça. Ouais, ça veut dire. Non, je vais... 8-6. 8-6. Voilà. 8-6, les gars. Faites attention à vous et n'allez jamais sur ce genre de site. C'est de la merde, c'est très dangereux. Il y a des tonnes de reportages qui montrent que ça ravage le vautier. Allez plutôt sur le YouTube de Zach Nani, mettez un pouce bleu, allez commentaire. Allez sur le YouTube de Yas encore, c'est très divertissant. Regardez aussi la vidéo jusqu'à la fin, même si... Et oui. Même si, franchement, vous en avez marre de ma gueule, regardez quand même jusqu'à la fin. Et oui. De me croiser. Soulan, c'est une ville du coup, je suppose. Oh là, Soulan, attends, viens, regarde où c'est. À tous les coups, c'est un bled. Soulan, je sais pas si c'est dans le nord. Soulan, c'est une ville où les gens ils sont saoulés. Non, frérot, s'il te plaît, respecte-le. 09-320, regarde la campagne que c'est. Première photo qu'on voit, c'est ça. On est dans la campagne profonde. 09, je parle, bah, y a des montagnes derrière, c'est quoi, c'est dans le sud? Ah, c'est Pyrénées. Moi, je pense que c'est une vidéo YouTube. Moi, tu sais ce que je pense, c'est les pop-up, c'est minable avec des trucs de cul. Tu vois, ouais. Et je pense que ça a un rapport avec la localisation. Non, je sais pas du tout. Donc, toi, tu dis site pour adulte? Moi, je pourrais. Non, je pense site pour adulte. Allez, là, il y a 8-6, soit ouais. C'est 8-7, soit c'est 9-6. Abattu. Oh putain. Par contre, j'aurais jamais dit que c'était sur. Abattu! Mais tu vois, j'aurais jamais pensé par contre que ça aurait été sur. Avec l'emoji de point P.
Les amis, pour des raisons évidentes d'évidence, le commentaire précédent ne sera pas montré. Commentaire très survent, anonyme. Tes vidéos sont super, mais là, tu m'as grave fait bander et je me suis bien branlé avec toi et j'en ai mis partout en te regardant au moment où tu es top, continue de nous faire gicler. Putain, ça sent non, frère, c'est le DM suspect. C'est horrible. DM suspect ou... Faute d'orthographe. En fait, je vais être honnête avec toi, faute d'orthographe partout. On dirait les dégénérés, les gamins sur les vidéos YouTube des fois. Ouais, bah ouais, c'est exactement ce que je pense. Genre, tu sais, les gamins qui écrivent n'importe ouais, quoi. Ouais, mais ça, juste... Ouais, mais après, genre, branler et tout sur YouTube, c'est censuré, non? Il n'y a pas de censure dans les commentaires YouTube. Ah, ok. Non, pour moi, c'est trop évident que ça soit un site de cul, je dirais, internet. Ouais, moi aussi, tiens. Attends, je vais même essayer de devenir peut-être le site. Moi, YouTube. Peut-être YouTube. Tes vidéos sont super bien, tu as grave. Est-ce qu'on se dit plus sain si on découvre le site précis? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est peut-être Twitter. Pas tu dis Twitter? Ouais, Twitter. Ah non. Zigzag 153, ah ouais. Ah bah là, pour le coup, il n'y avait pas de cache. On a voulu mettre de la réflexion dedans et on est. On fait n'importe quoi, ça veut dire. 0,48 en bien. Tu sais que je suis perdu là maintenant à ce moment-là de la vidéo. Non, pour moi ça c'est un site de cul. C'est Internet tu penses? Ouais. Ah! Jaidin Francis, ok, bon bah là, apparemment la ligne éditoriale qui était choisie c'était l'évidence. Ok. Je me fais remonter, ok. 9-7. En fait, si tu veux, ça se trouve, de tous les coups, c'est genre, c'est un son de rap. Tu vois, même ça se trouve, c'est un son de rap de youtubeur. Ouais. Comme ça, tu vois. Bah ouais, c'est juste un son, bah. Juste un son normal. Ça ressemble vraiment. Bah ouais, les gens sont normaux des fois, il y a ouais, ça. Ouais. Bah ouais, parce que moi, à chaque fois, je me tout dis. Tout le monde n'a pas l'esprit. Là, on est dans une vidéo où, bon, on va avoir des commentaires de Détracos. Et je me dis, de base, Internet, tout le monde est malade. Tout le monde est taré pour moi sur Internet. Donc là, franchement, si de cul, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Je vois. Une autre super vidéo, Dave Raymond, je vous aime les gars, laissez-les venir. Dave Raymond, pour moi je pense à Raymond TPMP, c'est ça le problème. Mais Dave c'est le chanteur aussi, non? Oui. Peut-être c'est un couple homosexuel, il semble peut-être que Dave c'est un prénom féminin aussi, on sait pas. Peut-être que Raymond c'est une meuf avec une bite. Tu sais quoi? On dit sa réponse en même temps. 3, 2, 1, site de cul. Ouais voilà, site de cul pour moi. Aimant. Maman et papa, attends, mais faut que je tape sur YouTube, c'est qui Dave et Raymond? Attends, mais ils sont déconnés parce que là, c'est... Non, gros, c'est pas possible. On s'est fait avoir, toujours 9-7, je crois. Il va falloir que je commence à égaliser, hein. Parfois, quand je m'en sonne, je mets cette vidéo pour faire comme si je mangeais avec lui. Pour moi, peut-être vidéo YouTube dégustation. Parce que moi, j'avais un moment, à l'époque, où il n'avait pas de... Enfin, voilà, il n'avait pas de broutille au cul. C'était à l'époque, c'était TheKairi78 quand il faisait ses vidéos de dégustation tacos et tout. Je sais pas pourquoi. Quand je mangeais, vers midi, 13h, je mettais toujours une vidéo de ce mec. Moi, je mets Gurki. Ouais, Gurki, tu vois, les mecs le comme roi. Ça, ou Alan93 Food, des vidéos de Xavier Pincement, des trucs comme ça, tu vois. Moi, ça me choquerait pas que ça soit une vidéo comme ça, tu vois. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, Internet. Adulte. Oh sa bon. Mère! Voilà, mais par contre. Mais c'est quoi cette vidéo avec un crabe? Ah ouais, par contre, j'aurais jamais pensé ça. Moi, j'aurais pensé à une vidéo dégustation. Peut-être Philippe Etchebest, tu vois. Pourquoi je perds tous les jeux? Parce qu'en comme fait, ça. Quand tu regardes une vidéo dégustation, bah, ça te ouvre encore plus l'appétit. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, une vidéo de crabe, faut peut-être songer à aller se faire enculer. Ils sont allés changer un commentaire vieux de 4 ans, les bâtards. Ouais, vraiment! Pas pu participer. Pour moi, c'est peut-être un commentaire Twitter, ça. Pour moi, ça sent le réseau social de genre, là. Moi, ça sent la vidéo bien crade. Pourquoi alors le mec, il dit en commentaire, désolé les frères, j'étais en garde à vue, j'ai pas pu participer. Je sais pas, pour une partie à plusieurs. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça va être genre Twitter ou... Bah écoute, on croise les réponses, hein, vas-y, vas-y, vas-y. 3, 2, 1... Oh frère, t'es fort. Tu vois? Après, ah, j'ai pas participé aux guerres de clans! Ah, ils ont coupé les bâtards! Ah, pour que justement on sache pas la fin! Par contre, j'aurais pas deviné Clash of Clans parce que j'ai jamais joué à un jeu. Mais ça sentait un truc comme ça, tu vois. C'était pas logique que ça soit un site de cul. Ça, c'est un alors là, là, il n'y avait pas besoin, pour moi, c'est ça, évident. C'est un site de cul. Eh oui, voilà, c'était évident! Par contre, HentaiFan999, curieux. Pareil. Mais très bon, mais je n'ai... Pour moi, non, marmiton. Pour moi, marmiton, là, pour moi, c'est de la... Je suis d'accord. C'est logique. Je suis d'accord. Internet, pour moi aussi. Eh ben, mon gars, malgré tout, t'as gagné, sa mère. Je suis abattu, gros.
Allez. Comment il est trop chanceux, le caméraman, sérieux, pour moi. Internet. Non. Bah en fait, c'est trop évident que ça soit un c'est site ça. De cul. Pour terminer, je pense qu'ils ont voulu nous pranker. C'est peut-être un truc à la con en mode c'est une de tes vidéos, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh sa mère. T'es prêt? Ouais. Moi je dis internet. Ah non. On a essayé ouais, mais ça, de, c'est trop évident. De retourner des logiques, de tuer un machin, de trucs et... Ah je sais pas, par contre je suis perdu au niveau des points. T'as gagné. Genre il y a 11, 12 à 7 peut-être, en tout cas ça. Oh putain, en tout cas c'était bien marrant. J'ai bien kiffé, merci. Félicitations monsieur Yass. Bah oui. T'as vu quand même, j'ai quelques points d'expertise. Donc, franchement je suis pas mal fier. T'as été fort, les 6 premiers t'as eu 100%. Sur Twitter le coup du bonnet slave et tout c'est... T'as été fort gros. Je suis bien fier. Bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas, on vous en fera peut-être un. Alors pas forcément avec des sites pour adultes, hein, peut-être avec des trucs plus variés où on doit peut-être directement deviner le site ou quoi, tu vois. Ça serait quand même marrant. Ça peut être pas mal, tu vois. En mode, si tu devines le site, t'as genre un point bonus. J'avoue, un bail comme ça. Parce que là, marmiton, là, t'aurais eu un petit point bonus. En tout cas, c'était un bon concept. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-nous dans les commentaires combien vous avez fait. Si peut-être que vous avez fait en même temps et tout. Ça doit être assez intéressant. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Salut, salut.